Jai Mahanand Maya. This is Mahanand Maya Ashram in Varanasi, Banaras Ghat. This is Mahanand Maya Ghat. We are in ashram right now. We are going to meditate here for some time. ये माँ नन्मयी माँ का आश्रम का है ध्यान करने के लिए कमरा किधर है आश्रम तो बंद हो गया मुझे वाह जय माता Bénarès, la cité sainte, que ses enfants préfèrent d'ailleurs appeler Kashi ou Varanasi. Le Gange, grossi par les longues pluies de la mousson, a recouvert les ghâts, ses escaliers célèbres, et submergé les temples du bord de l'eau. Mais Bénarès, ce n'est pas seulement les ghâts, le Monkey Temple, le rouge temple aux singes où se pressent les touristes. C'est tout un enchevêtrement de petites maisons et de ruelles entourant quelques 1500 temples et 500 000 hôtels représentant toutes les sectes et tous les cultes. Sauf la grande rue centrale parallèle au fleuve, les rues sont si étroites et tortueuses qu'aucune auto ne pourrait y circuler. Il y a 3000 ans, Bénarès était déjà un foyer de culture religieuse. Aujourd'hui encore, les traditions de cette culture sanscrite, transmises de siècle en siècle par ces brahmanes érudits qu'on appelle les pandites, se maintiennent, cachées aux yeux des étrangers et des touristes, derrière les murs de ces vieilles maisons. C'est tout au fond d'une de ces ruelles qu'est situé l'ashram de la grande sainte et sage Bengali, Sri Ma Anandamayi. Autrefois, Ma Anandamayi se rendait de temple en temple. Aujourd'hui, des ashrams ont été construits pour elle dans une vingtaine de villes. Fidèles et visiteurs se pressent autour de Ma Anandamayi pour avoir son darshan, sa vision bénie. Et elle anime de sa présence surnaturelle et de son rayonnement silencieux le chant des cantiques. Parfois aussi, Ma Anandamayi parle. Elle dit « L'effort pour s'éveiller à sa nature réelle est le devoir de l'homme en tant qu'être humain. Seules les actions qui attisent la nature divine de l'homme sont dignes du nom d'action. Tout le reste ne sont que non-actions, un gaspillage d'énergie. » Des centaines de gens, hommes et femmes, sages et enfants, riches et pauvres, hindous, jaïns, sikhs, musulmans et même chrétiens, l'entourent. Ils veulent partager son repas, ce qui est parfois dans son cas une façon de parler, car à certaines périodes, Ma Anandamayi ne mange pratiquement pas. Un demi-fruit ou une cuillerée de riz dans sa journée et c'est tout. Cela nous paraît inconcevable, mais tous ceux qui l'ont alors approché peuvent en témoigner. Et elle ne dort jamais plus de 2 ou 3 heures. Il est évident qu'elle a accès à d'autres sources d'énergie que les nôtres. Mataji n'oublie personne. Dans cette foule, elle saura découvrir celui qui manque et donnera des instructions pour que lui soit porté à lui aussi sa part du prasad et avec cette nourriture, sa bénédiction maternelle. Whatever way the same, nothing according.